Eh ben, ce soir, nous allons parler des roues. Mais pas n'importe lesquels. J'ai ciblé. On va parler de roues qui ne servent à rien. Lesquelles, celles qui pètent ou Donc, les roues de vélo et de bagnole, tous ces trucs durs que l'on enveloppe dans du caoutchouc, ne sont pas concernés. L'homme s'est pas fait chier à inventer la roue il y a plus de 5000 ans en Mésopotamie pour qu'un vulgaire chroniqueur la classe comme élément inutile de l'humanité. C'est une autre catégorie de roues dont je vais vous parler. La roubignole. Non, c'est pas ça, Didier. Peut-être que toi, tu t'en sers plus depuis de belles lurettes, mais d'autres en font un grand usage très, très mauvaise quotidien. Imitation, la roubignole. Roubignole. Alors, la routine non plus. Rouspète. On y est presque. Ah non. Oulala, non, Didier. Je te vois venir. Hein. J'ai pas dit la rouspète. Rien à voir avec Mylène Farmer émettant des flatulences ou une quelconque héritière de la Rousseau sortant un EP. Pas du tout. La Rousseau. D'ailleurs, en parlant de ça, il faudrait demander à un linguiste par quel verbe on peut exprimer le fait de sortir un EP. Ça devrait passionner Didier, ça. Ah oui, j'adore. Pour en revenir à rouspète, effectivement, ça peut avoir une double signification. C'est autant la conjugaison d'un synonyme de râler qu'une roue de vélo qui se brise en deux. Et moi, je pensais plutôt à la deuxième définition. Et alors, je m'éloigne un petit peu, là, juste deux secondes, mais vous connaissez le surnom de Vladimir Poutine en Espagne ? Non. Le rouspète. Et pas pour son côté caractériel. Mais bon, revenons à notre roue qui sert à rien, parce que je digresse et on avance à rien. Grèce. Donc, quel est donc ce roue qui ne sert à rien ? Je pense que vous avez deviné, c'est le roue avec un X tout simplement. Et pour dire à quel point il sert à rien, même le rédacteur de l'Ancien Testament en a fait un être mort-né. 7. Ça vous dit quelque chose quand même ? Oui. 7. Sept. Non, pas le chiffre. Non, le dieu. Sept. Non, le troisième frère d'Abel et Caïn. C'était pas tout à fait un dieu. Ouais. Donc c'est pas grave. En tout cas, depuis ce jour-là, sa réputation est faite. Il ne sert à rien. Alors pourquoi continuer à le faire vivre, vous me direz ? Bonne question. Le roux serait-il à l'homme ce que le moustique est à l'univers animalier ? Ça mérite d'être étudié. Mais venons-en au fait. Pourquoi est-ce que je m'acharne sur le roux ce soir ? Parce qu'aujourd'hui, donc, c'est la journée mondiale du roux. Et plus précisément, la journée pour embrasser un roux. La seule de l'année. Et après, on plaint la misère sentimentale de Joël. Il y a pire quand même. Ben, je suis pas roux. En tout cas, c'est ça. La misère sentimentale, par contre. Derek Forgy, Canadien de naissance, décida en réaction à la série South Park qui invitait la population à frapper les roues une fois par an, de célébrer l'accolade du roux le 12 janvier de chaque année. Une date que cet homme taquin étant un adjectif et non un attribut, nomma Kiss Ginger Day. Une journée reprise ensuite par le site journeemondiale.com, mais non validée par les journées internationales de l'UNESCO. Et de là à penser que cette institution n'accorde à cette anomalie chromatique aucune légitimité, il n'y a qu'un pas que je m'empressais de franchir pour foutre un peu le bazar dans ces hautes instances. Et de là à y voir une forme de laxisme ou de racisme passif, je me pose la question. En attendant, on peut légitimement se poser une autre question. Contrairement à ce que je disais au début de ma chronique, le roux peut-il servir à quelque chose autrement qu'à apporter une touche de couleur sur les arrière-plans des images aériennes des assemblées publiques ? Bonne question. Le roux serait-il à l'homme ce que le perroquet est à une congrégation de zèbres ? Ça mérite d'être étudié. Comme j'ai commencé à l'expliquer tout à l'heure, le roux a beaucoup souffert par le passé. Aristote lui-même, Aristote la sagesse incarnée, affirmait que la couleur rousse était une infirmité du poil et que tout ce qui était faible vieillit plus vite. Au Moyen-Âge, les prostituées étaient obligées de se teindre les cheveux en roux pour les distinguer des autres femmes. Une réputation qui leur colla longtemps à la peau, même Zola, le grand Zola, utilisa ce cliché mondain dans ses romans. Et durant le siècle de gloire de l'Inquisition, au nom du Dieu Tout-Puissant, des encapuchonnés du gland décrétèrent que les femmes rousses étaient des sorcières. Allez hop, direction la rôtissoire, sans passer par les cuisines, sans toucher les 10 000, à la grillade, sans sel et sans poivre. Il y a un truc qui me tracasse d'un coup, tiens. Si le roux est atteint d'une faiblesse génétique, sa survie en pleine apogée du réchauffement climatique serait-elle en remise en cause ? Aura-t-on encore l'occasion de croiser ces ravissantes petites têtes rouges à la Coupe du Monde 2022 ? Ça m'inquiète, ça.
Et en même temps, s'ils ont survécu au bûcher de l'Inquisition et à la moiteur des maisons closes, c'est que la chaleur ne doit pas leur faire trop peur. T'as du mal ce soir, hein? Ouais, un petit peu, ouais. Le froid peut-être. C'est quand en fait la prochaine ère glaciaire? Autant souhaiter la fin de cette mode du réchauffement climatique, autant si les roues doivent disparaître à cause du prochain refroidissement prévu dans les décennies à venir, ça me fait peur. Si je dois choisir entre le soleil toute l'année et la survie de la crinière de Miss France, il n'y a pas photo, je choisis la Miss. Tant pis pour la bronzette à Deauville au mois de janvier. De toute façon, il paraît que le soleil, ça donne le cancer. J'espère juste que les roues, ça donne pas de morpion. Au pire, si j'avais à choisir entre un morbaque de Miss France et un mélanome cutané, mon choix est vite fait. Hein. De toute façon, vive la ptoriase. Hein? Ah oui, attends, deux secondes. Mais bon, c'est pas tout ça, parce que s'il faut bien que je clôture cette chronique, et comme la musique commence là où s'arrête le pouvoir des mots, on va écouter tout de suite un bon petit rock irlandais avec un Irish pub song interprété par les Rum Jack. Rum Jack, c'est excellent. There's a county map to go with the ball of hurl and sticking a shinty.